Vous voulez la vérité, non? Vous allez savoir la vérité. Alphonse Charles Wright et moi. Toute la vérité, rien que la vérité. Non, 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 non. Je ne viens pas répondre en sous ici. En sous et moi, il n'y a rien. Vous, tout le monde. En tout cas, ceux qui ont compris, tout le monde a compris quoi. En sous et moi, voilà, c'est la famille quoi. La légende continue. On continue le combat. Il n'y a aucun problème, hein. Voilà, c'est entre Guinéens quoi. C'est entre frères. Comme on dit en Wolof, amoulou ben no problème. Si je ne dis pas ces vérités-là, Dieu va me punir. Parce que Charles, ils veulent créer des problèmes à Charles à cause de moi. Ils veulent créer des problèmes à Charles à cause de moi. Mais la vérité. Charles White, c'est un enfant. Hein? Et Charles White, le poste, c'est comme quand tu prends 1 milliard, tu confies à un enfant de 25 ans. Le poste que Charles avait là. Tout son amour, tout son dévouement, il versait ça à son patron. Il était agité. C'est ça la vérité. Charles, le ministre Charles, était agité. C'est comme le mot là en français, l'âge euphorique. Voilà. L'âge euphorique dans l'administration. Trop agité. C'est ça la vérité. Peuple de Guinée, la vérité, rien que la vérité. Ouais. Rien que la vérité. Voilà. Que Dieu aide le pays là. Mais ça va être très difficile qu'on voit la lumière. Pourquoi je fais ça? Parce que je ne veux pas qu'on accuse quelqu'un à tort. Je ne vais pas m'asseoir sans réagir. Sinon, je n'avais pas besoin de le faire. Monsieur le ministre, comme vous savez, ce n'était pas le Ramadan. Mais les pressions que j'ai faites sur vous, pardonnez-moi, Charles White. Je demande pardon à Charles. Les pressions que j'ai faites sur vous, pardonnez-moi. Voici l'histoire. J'ai été informé de vidéo sex tape. C'est-à-dire, j'explique ça pourquoi. Vous qui demandez, tout le monde qui demande pourquoi je défends Charles. Si je n'allais pas être juste, je ne vais pas retourner 74 millions francs guinéens, 7 400 euros. Je pouvais prendre, je bouffe. Vous n'allez pas, vous n'allez jamais le savoir. Vous n'allez jamais le savoir. Je pouvais dire aux gens d'aller retirer l'argent, de prendre ça, d'envoyer ça, de faire ce qu'ils veulent. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai montré l'argent ici devant tout le monde. J'ai montré le retrait. J'ai dit qu'on m'a donné 74 millions pour détruire Charles. J'ai dit que je ne le ferai pas. Vous comprenez? Ok.
J'ai été informé de la vidéo de Charles. C'était déjà avec beaucoup de gens. Mais c'était dans un cadre restreint. Mais il fallait trouver des appuis forts. Ces appuis forts, c'était qui ou c'était quoi? C'était nous, les blogueurs. Il fallait trouver ces appuis forts-là pour que nous mettons, nous commentons ça. Vous comprenez? Maintenant, je n'avais pas vu la vidéo de mes yeux. Que Dieu n'accepte pas mon ramadan. Que Dieu ne me montre pas le Jannah, le Firdaus. On m'a décrit le contenu de la vidéo. On me l'a décrit. Quand on m'a décrit le contenu de la vidéo, c'est cette description-là. J'ai cherché à joindre des personnes qui peuvent joindre Charles. J'ai dit, il y a vidéo sextape du ministre de Charles. J'ai dit, il est venu tomber dans ma main. Mais, pour ces personnes, ils ont tout fait pour que je puisse envoyer la vidéo. Pour que je puisse envoyer la vidéo, parce que Charles a insisté pour que j'envoie la vidéo. Maintenant, j'ai fait la description de la vidéo comme on m'avait fait la description. J'ai expliqué ça. Effectivement, ils ont expliqué à Charles. Charles a compris que c'était vrai. Maintenant, pour Charles, j'avais la vidéo. Et Charles dit à cette personne, clairement, honnêtement, hein, qu'il n'a aucun d'argent à me donner. Que si je veux publier, je n'ai qu'à publier. C'est dans ça, il y a Charles est insulaire comme moi. Vous comprenez? Déjà, Charles est, c'est-à-dire, sa mère est liée à ma mère, c'est des cousines éloignées. Charles est parti contacter ma famille loin depuis la France. Cette famille m'a contacté, m'ont parlé. J'ai dit, Ntamara Yerebima, je ne vais pas faire sortir la vidéo. J'ai dit, voici ma condition, je ne demande pas d'argent. Que nous, non-leaders, à commencer par ces loups, les Kassori, les Amadou Damaro, de les relaxer parce qu'ils ne méritent pas ça. L'on est revenu vers moi, la réponse de Charles. En me disant que même si moi je ne demandais pas ça, que son président l'a instruit de mettre en liberté toutes les personnes qui n'ont rien à voir dans aucun détournement, que même si moi je ne parle pas de vidéo là, que lui et son président sont en train de travailler sur ça. Vous comprenez? Maintenant, comme j'ai prescrit la description de la vidéo, pour Charles, j'ai la vidéo. C'était mon moyen de pression sur lui. J'ai dit, il faut laisser tomber tout le monde. Il a dit, moi et mon président. Je ne connais pas quelqu'un d'autre. Mais, Mamadi Doumbouya, Billahi Wallahi Talahi, Jordan, tu n'auras pas un ministre qui t'aime, qui s'est sacrifié pour toi que Charles.
qui s'est sacrifié pour toi est Charles. Et qui s'est sacrifié pour toi comme Charles. Maintenant, ça parle affaire de vidéo. Chaque jour, on m'appelle. Quels sont ceux qui sont derrière? Quels sont ceux qui sont ceci? Quels sont ceux qui sont cela? Vous savez que je dis toujours que moi, je ne révèle jamais mes sources. Jamais, jamais mes sources. Et encore plus loin, je ne vais jamais humilier Charles parce que c'est un être humain. Je ferai en sorte que ceux qui sont à la base de ça ne publient pas cette vidéo-là. Ne fait pas sortir cette vidéo-là. Je dis, s'ils le font, c'est moi-même qui va être contre eux, qui sera comme défenseur de Charles. Parce que cela ne se doit pas. Vous comprenez? Maintenant, il y a eu d'autres prises de contact. Ça, c'est un cousin éloigné à moi qui m'a parlé de la vidéo. Mais j'ai fait comme si je n'étais pas au courant. Je lui ai demandé à lui, aide-moi à voir la vidéo là. Aide-moi à voir la vidéo là. On va gagner beaucoup d'argent avec Charles. Parce que je voulais voir la vidéo. Parce que les personnes qui m'avaient parlé de cette vidéo là, je ne vais jamais révéler leur identité. Jamais. Si ça vous fait truc là, je ne vais jamais le faire. Mais vous êtes déjà connus. Mais ce n'est même pas moi qui a dit que c'est vous. Vous êtes déjà connus. Et Dieu va rendre justice. Donc, Charles, pour lui, tout le problème, pour ne pas que la vidéo sorte, tout le problème, c'était ça. Qui va être kafiri? Qui va être mais créant de faire ça à un être humain. Je me suis sacrifié et je me suis encore sacrifié d'oser venir m'asseoir, de dire cette vérité-là. Je me suis sacrifié pour nos leaders parce qu'en fin de compte, la vérité reste la vérité. Il n'y a jamais eu question d'argent. Jamais de la vie. Malgré ça, Charles White n'a pas cédé. Mais j'avais ce moins de pression sur lui. Parce que pourquoi? Il cherchait à savoir réellement quelles sont les personnes qui sont derrière. J'ai dit, je ne connais pas. Parce que les personnes m'ont contacté en anonymat et m'ont fait jurer de ne pas envoyer même les messages. Je parle avec des gens, je ne vais jamais montrer mes gens, des gens. Mes téléphones là, ce sont des téléphones sophistiqués, blindés. Le jour que je vais mourir, il y a des manipulations. Quand tu fais sur mon téléphone, ça s'éteint. Ça s'éteint à vie, ça ne va plus s'allumer. Ça s'auto-détruit comme dans Mission Impossible. Donc, Charles Wright, pour les vautours, les crocodiles, le clan de bandes organisées de voleurs à la tête Amara, je ne sais pas par quelle magie ils ont compris que Charles, oui, est en train de négocier pour ne pas, ou est en train d'arranger pour ne pas que cette mascarade-là arrive. C'est dans ça qu'ils ont anticipé. Ils ont publié la vidéo. Wallahi, billahi, tallahi, wallahi, billahi, tallahi. Le jour que j'ai vu la vidéo, c'est le jour-là que la vidéo est sortie. C'était déjà sorti et on m'a envoyé la vidéo. On m'a envoyé la vidéo.
Donc, à la base, j'ai dit ceci. C'était même pas avec Charles White, directement. Ceux qui étaient négociateurs. Il y a eu un blogueur connu qui est témoin. Un blogueur connu qui est témoin. Je ne vais pas dire son nom, mais il se reconnaît. Il n'y a jamais eu question de parler d'argent. Jamais on a parlé d'argent. Jamais. Dunia yala kitima buena ma. Dunia yala kitima buena ma. Si j'avais parlé affaire d'argent, Charles, qu'il est, ou les autres qui sont autour de lui aujourd'hui, ils allaient m'enregistrer. Ils allaient m'enregistrer, mettre ça. Mais à la base, c'est comme dans les films, les candidats dans les différents postes, on a un scandale sur eux, on les dissuade d'abandonner leur poste, de démissionner, et directement, le deal est là. Ce que vous avez aussi sur eux, vous ne faites pas sortir. En gros, c'était ça. Mais, pour le cas de Charles, au fait, ceux qui voulaient faire ça, parce que Charles avait lancé les injections, ils ont lancé l'affaire Marie-Louise Wilkinson. Ça n'a pas marché sur ça, Charles. Ils ont lancé d'autres trucs scandales sur Charles. Ça n'a pas marché. Maintenant, le tsunami, l'ouragan, c'était cette vidéo-là, à tout prix, pour que Charles dégage. Donc, Charles, avant qu'il ne trouve solution pour complètement mettre fin à ça, eux, ils ont anticipé. Eux, ils ont mis cette vidéo sur la place publique. Et moi, la promesse que j'avais faite, que si cela se faisait, que j'allais sortir pour défendre Charles, parce que même si ce n'est pas ça, on ne doit pas faire ça à un être humain. Et c'est cette position et c'est cette promesse que j'ai faite. Aussi simple que ça. Donc, en gros, moins de pression sur Charles pour qu'il libère nos leaders, pour qu'il relaxe. Je vous apprends, même nos leaders en prison avaient cette vidéo-là. Je vous apprends, hein? Nos leaders qui sont en prison avaient cette vidéo-là. Eux aussi, de leur côté. Oui, je ne vais même pas rentrer sur cette partie. Je ne vais même pas rentrer sur cette partie. Mais le gars, Charles, ce que je peux dire à tout le monde, dans tout ce que vous êtes en train de faire, donnez pour vous à Dieu. Ne cherchez pas à convaincre les hommes. Parce que l'être humain ne va jamais être convaincu. Quand un humain n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi. Quand un être humain ne t'aime pas, il ne t'aime pas. La seule et unique chose que vous devez faire toute votre vie, laissez tout à Dieu. Faites tout ce que vous faites, faites à Dieu. En tout cas, le petit temps de négociation là que j'avais entamé avec Charles, j'ai compris que le gars là, il était prêt à donner sa tête pour Jordan. Et ça, c'est comme moi. On n'est pas du même bord politique. Mais je déteste les taupes. Je déteste les traites. Qu'on te dise quoi? Qu'on monte quoi sur toi? Ton leader que tu as soutenu, ton patron que tu aimes, ne le trahis jamais pour quelqu'un d'autre. Jamais. Alors, mon frère Alphonse Charles White, je te tire chapeau pour ça et je parle en âme et conscience. Et je dis encore
Allah est là, mes anges sont là. Wallahi billahi ta'alaï. Le gars ne m'a jamais dit une seule fois de sa vie, Amara est-il, Amara est-en, ou Giba est-il, Giba est-a, ou même ne serait-ce me donner un seul virgule sur le CNRD. Jamais de la vie. Aussi simple que ça. Donc, si vous vous attendiez que je viens dire que, ah, Charles, oui, voici ça, c'est ce qui s'est passé, oui. Parce que pour ceux qui sont habitués à faire ça, on ne peut pas défendre une personne sans que la personne ne te paye. Vous comprenez? En gros, allez, tu ne peux pas prendre la part de cette personne sans que la personne ne te paye. Même si on fait sortir aujourd'hui un Mamadi, je ne souhaite même pas. Il a le titre de président de notre État. Ou les ministres qui me détestent, comme Ousmane Gawa Gawal, je ne vais jamais cautionner qu'on met ça, malgré que eux, ils ont pris ça comme leur cheval de bataille. Il faut comprendre une seule chose. La Guinée, on doit prôner la paix, on doit bannir la haine. On doit prôner la paix, bannir la haine. Préserver la dignité humaine. C'est ça l'essentiel. Tous ces saloperies qui sont sorties sur nos cadres, ça ne donne pas de bonne image sur notre pays. Ni même Dieu ne va pas nous regarder de ses beaux yeux, de bon œil. Dieu ne va pas nous regarder de bon œil. Parce qu'on a toujours dit, même dans les anciens, il faut être vraiment ancré dans l'islam pour connaître la valeur des sages, la valeur des personnes respectables. Quand quelqu'un est sage ou quelqu'un est cadre, quel que soit sa caractère dans un état, dans un coin, il ne faut pas le ridiculiser. Il ne faut pas le ridiculiser. Aussi simple que ça. Donc, la vérité reste la vérité. Ce qui est sûr et certain, si nous allons continuer dans cette optique-là de dénigrement, de haine envers nous, Guinéens, il n'y a pas de problème. On va toujours rester là. Ma femme est du RPG. Je suis de l'UFDG. Depuis le temps d'Alpha Condé, il y a cette rivalité. Comme à l'islam, la Condé nous kungwaliyadine. Elle est dans son parti politique. Je suis dans mon parti. On se tutoie. Parce qu'elle est de Kankan. Elle est de Sigiri. Sa mère Sigiri. Son père Kankan. De Nabaya. En plus, proche de Mamadi, si je veux défendre CNRD, moi, si je veux manger l'argent de Mamadi, moi, l'argent, ça ne m'influe pas. Ma femme, ma propre femme, elle est proche de Mamadi. Pourquoi? Parce que son frère est proche de Mamadi au palais. Ma propre femme, moi. Elle est ici chez moi. Ma propre femme. Oui. Mais, à quelle fin? Venir dire aujourd'hui A, un jour me voir en train de dire B, Marabama, la Syria Olimara. Je suis descendant d'Almami. Mes ancêtres n'ont jamais trahi. Nos grands-pères n'ont jamais trahi. Mon père aussi, jamais. Jamais. Et Alhamdoulilah, Allah m'a donné la force. Dans ma jeunesse, j'ai connu des milliards. J'ai vu des milliards. J'ai voyagé, je suis parti dans beaucoup de pays. Fais la belle vie, le luxe. J'en ai vécu. On ne peut pas me dissuader avec de l'argent. Si moi je vais demander de l'argent un jour au CNRD, ça sera en tout cas une somme qui peut nourrir presque tout Conakry. Si je vais demander de l'argent au CNRD. Mais les 74 millions... les 100 millions, les 300 millions,
Les 500 millions, c'est quoi? 50 000 dollars, c'est quoi? 100 000 dollars, c'est quoi? 50 000, 5 000, c'est quoi? C'est quoi? Donc, peuple de Guinée, à la haut, Mali. Sinon, ce que Charles a vécu, malgré que Charles était le ministre de la Justice, il a mis tel en prison, il a mis tel en prison, il a mis tel en prison. Voix des sans-voix qu'on est, être humain qu'on est, on devait avoir le sentiment de pitié pour le gars. Là. Le sentiment de pitié pour le gars. Quand sa femme est venue mentir et qu'elle est venue chez moi d'abord parler, prendre son témoignage, tellement que j'avais eu pitié du gars, c'est moi qui a fait sortir l'audio. C'est ce que Mireille Nananan, ou Nananan, transformé fait à votre manière. Parce que à la non dit colo. Hé, et toi, on est qui n'a pas fait non dit colo. Madame, tu connais la vérité. A voilà la non dit Mali. Ou Mireille Nasso, Alaï. À la non dit Mali. Aussi simple que ça. Mais, Charles. Charles, il y a un homme, un galin. Il y a un homme vrai. Voilà. En gros, c'était ça. Et j'espère que c'est compris pour tout le monde. Alors, au Mali. C'est les mêmes pressions là que d'autres ont fait sur lui pour laisser certains dossiers. Avant. C'est les mêmes pressions qu'ils ont fait sur lui pour laisser certains dossiers. Mais là où il n'a pas cédé pour les gens là, qui sont des milliardaires, qui sont des patrons là-bas, ce n'est pas avec moi qu'il va céder. Ce n'est pas avec moi. Et ça, j'ai salué ça de lui. Après aujourd'hui, et Baranou Jordan, ça a mal. Jordan s'est débarrassé de lui. Mais c'est dommage. En tant qu'opposé à toi, Mamadi, un Charles White hors jeu dans ton gouvernement, je deviens encore plus fort que jamais. Et peuple de Guinée, apprêtez-vous, à partir du lundi, le pays rentre en faillite. Et ça, je vais vous décortiquer ça. Je parlais de la sortie de Gomu. Je dis bien, apprêtez-vous, la Guinée, Conakry, notre pays, est partie en faillite. Et les coupables, nous allons les dévoiler au grand jour. C'était votre frère qui est engagé de 124. Ya Rab, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghaffar. Ta force continuera toujours à veiller sur moi. Et pour ça, ce n'est pas un être humain qui va détruire ça. On ne peut pas tromper Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il a mis cette lumière-là. Ce n'est pas un hasard. On ne gagne pas ça par hasard. C'est parce qu'on a mérité qu'il met cette lumière-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.